Bonjour à tous, c'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Annie Pop, les amis. On est avec la belle Céleste. Et ma belle Céleste, je devais peut-être t'acheter un petit cadeau. Je vais t'acheter un Space Helmet, j'espère que ça va te plaire. J'espère que c'est ta taille. What an interesting object. Ok, t'es chelou. T'es chelou, il faut dire les choses, Céleste. Et ok, maintenant tout ce qu'il faut t'acheter. Ah bah, il y a une shit tonne de trucs qu'il faut t'acheter. Water bottle, skipping rope, boxing gloves. Ok, déjà. Boxing glove, elle les a pas. Ok, donc kettlebell, snorkel et girly backpack. Snorkel, girly backpack. Et le dernier truc, c'était... C'était quoi le dernier truc? J'ai pas l'air de le voir si c'était ça. Kettlebell, ok. Donc tout le reste, on n'a pas. C'est ça l'histoire. C'est ça le cardio weight, elle doit l'avoir. Vérifions, hein, mais mes cardio weight de mon cul, là, tu l'as, hein, tu l'as. Ah oui, il est là. J'étais en train de bugger, je me suis dit, attends, peut-être qu'elle l'a pas, c'est le plus beau jour de ma vie, n'est-ce pas? Ok, donc maintenant, on va voir ce qu'on sait sur Céleste. On sait pas beaucoup de choses, on sait son occupation, mais pas son hobby, donc on connaît son travail, mais pas son hobby, donc sa passion. On connaît pas sa saison préférée, et on ne connaît pas son poids. D'été, fin juillet. Ok. Favorite color, on a. Son poids, on n'a pas. Et son travail, je crois qu'on n'a pas. Et on a sa passion. Ok. Ok, elle fait 130 pounds. Très bien. On vérifie, c'est bien son travail qu'on n'a pas. Hein. Si son travail qu'on a, c'est son travail qu'on a. Voilà, le mec s'embrouille dès le début. Donc. Lieu de naissance, il faudrait que je note. Attendez, je vais noter. Home world. Avec un stylo qui ne marche pas, c'est génial. Hobby et saison. Et je vais écrire aussi occupation. Voilà, comme un bâtard, parce qu'on est un tricheur. Non, on note juste des trucs sur un papier et on va le barrer comme le dernier des enfoirés. Voilà. Bonjour. Ah, on va voir ce qu'on connaît du monde qui nous entoure. Quelle est la plus grande planète du système solaire? C'est pas Uranus, ça c'est sûr. Saturne est grand, hein. Saturne est grand, mais Jupiter est plus grand, non? Ouais. Ouais, mais en fait, Saturne, je sais pas trop, il y a les anneaux qui prennent de la place, quoi. Oui, ce que t'aimes faire dans la vie. Cup size, double D. Sa taille, je l'ai. Sans les propositions, je sais pas trop. Elle doit genre faire 5-7, 5-8, par là, bref. Et sa saison préférée, je ne l'ai pas. Ah, l'hiver. Yeah, winter. Ouais, winter is coming, tout ça. Tu vois l'histoire? Ok, nickel. On va t'acheter des bubblegum, du lemon et du chocolate. Il faut qu'on parle, hein. Je vais pas vous mentir, il faut qu'on parle tous les deux. Alors oui. Ta saison, je l'ai. Attends, je peux barrer ta saison. Maintenant, ce que tu aimes faire, ton âge, je l'ai. Where are you from? Je l'ai pas. Et last name, je l'ai, évidemment. Donc le reste ne m'intéresse pas. Tendryside. Ah, et c'est froid parce que t'aimes l'hiver. Ok. Dernière question. Oh! Oui, ce que t'aimes faire dans la vie. Place, favorite place to hang out. Main hobby. Ah, elle aime se baigner parce que sur notre planète à nous, en fait, on a les trois états de l'eau, hein, la vapeur, le liquide, enfin l'état solide, l'état gazeux et l'état liquide, donc la vapeur d'eau, l'eau liquide comme on connaît tous les jours, et de glaçon qui est de l'eau solide. Et elle n'a évidemment que l'eau solide parce qu'il fait très froid, mais on s'en bat les couilles parce que on a rempli tout ce tableau. Et c'est stylé. Ok, donc maintenant il va falloir enquêter, les amis. La piñata et le running luggage. Alors, d'après vous, à qui est la piñata, à qui est le running luggage? Alors, je vais être très honnête avec vous, j'en ai pas la moindre idée. Non, il faut dire les choses, j'en ai pas la moindre idée. Et sur aucun des deux items, il faudrait regarder les filles.
Qui est-ce que ça pourrait être? C'est pas Echo. C'est pas Q. Q, je crois que son inventaire est plein. Tiffany, ça a l'air d'être la même chose si je dis pas de bêtises. Il y a Lola. Lola, c'est peut-être jouable parce que Lola est hôtesse de l'air, donc elle a peut-être une valise. Ouais, on va aller checker Lola. Ouais, Living Already, j'avais pas envie de te date. Je sais pas trop pourquoi, je sais même pas si on s'était déjà date à un moment, j'en sais rien. On va prier pour que ce soit Lola qui, à Lola qu'appartient cette belle objet. Great, you're Oh, t'es here. sublime. T'es... Alors là, si je puis me permettre, t'es complètement sublime. J'ai pas beaucoup d'infos sur Lola, j'en ai même très peu. Et Rolling Luggage, allez, faut faire foutre. Hop là, Rolling Luggage. Hop là. Et on est... This is amazing. Le snorkel, c'était pas pour toi. Et la balle de foot non plus. Pourquoi ils apparaissent avec des petits symboles? Snorkel, il est ici. Et il y a la balle de foot quelque part? Là, il y a une balle. Soccer ball. Volleyball. Basketball. Flying disc. Elle fait du sport. Hein. Elle nous fait une dose de sport assez conséquente. Ah, on a reçu un nouveau présent. Ok, c'est de la merde, ça ne nous intéresse pas. Mais on est bien. Donc là, aujourd'hui, on va s'occuper hein, vraiment des stats des gens, des infos à connaître sur les gens. Donc, je note sur ma feuille, poids, occupation, D. Parce que je comprendrais que c'est la cup size. Et fave. Là. Bon, j'ai la réponse pour une seule des réponses hein, sur mon truc, c'est juste la taille des seins. Je sais que c'est D parce que je l'ai écrit, mais j'écris pas les réponses. Hein, attention, c'est pas mon but, mais là c'est vrai que c'était plus simple. Ok, son poids, on l'a. Son travail, c'est l'occupation, donc on l'a. Et sa taille, donc on va écrire tall. Ok, tall. Donc on connaît la taille de Lola. Ok. What's cooking, good looking? Main hobby, on ne l'a pas. Et j'aimerais bien prendre le main hobby parce que la couleur préférée, on l'a. Et ce qu'elle a étudié, on l'a pas. Mais main hobby, c'est bien. Ok, donc elle joue au tennis. Mais en voyant ce qu'elle aimait comme cadeau, on s'est rendu compte de toute façon que c'était une sportive. Donc ouais. Couleur préférée, donc on a. Qu'est-ce qu'elle a étudié? Non. Et main hobby, oui. Ok, 4 ans de business administration. Si ça, c'est pas chiant, je ne sais pas ce que c'est. Et. Ah, elle ne mange pas de ça? Ah ouais. Ok. Non, non, mais autant dénigrer tout autant que tu veux, pas de soucis. Ok, maintenant cette putain de piñata. Cette putain de piñata, mais Momo en vrai. Mais je crois que j'ai tout sur Momo. Je crois que j'ai clairement tout sur Momo. On va checker. Mais là, on a fait de notre mieux. Hein. Il faut se balader de fille en fille pour débloquer les nouveaux trucs. Donc, on a un fishy castle, un bag of goldfish, château, poisson, échec, château, poisson, échec, château, poisson, échec, château, poisson, échec. Ok, il lui manque que le livre de Sudoku. On va lui acheter. On va clairement lui acheter parce que c'est plus simple. T'aimes les fruits? Ok, cool. C'était peut-être un légume. Je sais pas. Je n'en sais rien, on a toutes les infos la concernant. Merde, on a toutes les infos la concernant. J'aurais peut-être pas dû lui donner à bouffer. Ouais, bah écoute. On va parler, hein. Ah, qu'est-ce qu'il y a le plus dedans entre un chien et un chat? Bah un chien. Ou ils ont le même nombre. Un chien. Ouais, ils ont des rangées dedans au fond. Bah je me suis fait mordre par un chien, c'est comme ça que je sais. Ouais. Ok. Combien de temps vit un chat? 14-16. Ah bah écoute, Gribouille m'a tout appris, hein, il faut être honnête. Ah, ça c'est chaud. Quel âge tu as? Genre au moment, j'en sais rien. Est-ce que c'est une vanne? 2 cat years, 3 kitty years, 1 cat years. Je suppose qu'elle a 1 cat years. C'est parce que, imaginez, moi j'ai genre... Enfin, si, oui, j'ai plusieurs années humains, mais ouais, c'est vrai. Mais j'aime pas la façon dont elle l'a dit. Voilà. Ah. Ah, question game. Mais j'en sais rien, je suis pas ta mère. Je serais tenté de vous dire 5-2 au milieu, quoi. Entre 5 et 5-4. Non, j'ai répondu au milieu. Il n'y avait pas de vraie intelligence là-dedans, ma belle. Ok, donc, la piñata peut plaire à.
Nikki? Mais non, mais c'est une gameuse. Oh, la gameuse, elle va pas jouer avec une piñata, c'est pas une connasse. It's Kitty Quiz, it's quiz time, it's fucking quiz, it's quizy quizy. Il y a des quiz partout là. Yo, what's up, Beach? Non, on va pas parler, on va pas parler. Hobby, endroit où on préfère sortir, je n'ai pas. Et Tank Gravel. Ah, putain, ils ont des cadeaux en commun en fait, je viens de comprendre. Ouais, j'apprends des trucs. Bag of Goldfish, Textbook, Laptop Pro. Huh. Moonrock, High Def Camera. Oh. Oh, j'aime bien les nouveaux calots. Non, mais y'a rien d'intéressant pour toi. Soyons honnêtes. Soyons d'accord. Je vais t'acheter ça. Mon inventaire est trop plein. Merde. Hop là. Hop là. Si, ta gueule. Ok, qu'est-ce qu'il nous manque chez elle? Il nous manque. Voilà, je viens de détruire tout le reste. Hobby et Fav Hangout. Donc, endroit préféré pour sortir. Ouais, c'est pas lisible, mais j'arrive à me relire. 18 ans, elle fait 504, 13 mai, c'est. Ok. This is kind of a stupid question, but I guess I'll ask it anyway. Vas-y, pose. Are you generally an optimistic or pessimistic person? Oh, je suis quelqu'un de plutôt optimiste ou quelque chose d'au milieu. Ouais, au milieu quand même. Ouais, non, clairement. Je suis assez d'accord avec toi, ma belle. What's on your mind? Alors, l'endroit où elle préfère sortir ou son main hobby, bah, c'est les deux qui m'intéressent et son travail, je l'ai déjà. Même si j'en ai strictement aucune idée, je crois qu'elle est étudiante, mais j'en suis même pas sûr. Ah, main hobby, c'est cool. J'ai bien fait de répondre ça. Hop là, on barre le truc. Parce que la meuf elle joue à des jeux de combat et des MMO. C'est Kayane qui a fait l'amour avec. Pardon, désolé Kayane, je t'accroche des liaisons. Y'a qui en MMO, y'a qui en MMO. Bah, y'a Zera, on va prendre Zera. Donc Kayane et Zerata ont eu une fille et elle s'appelle Nikki Anne-Marie. Ce sont des choses qui arrivent. Ah, elle va me poser une question. Ah non, mais je disais juste avant que j'en savais rien. You've dropped out of high school, you've finished only high school, you're currently enrolled in college. Alors, soyons honnêtes, je pense qu'elle a fait high school, mais est-ce qu'elle l'a fini ou pas? J'en sais rien. You've only finished... Oh! Bah ouais, mais t'es la petite geek intelligente, brillante, qui travaille dur pour en arriver là où elle est. Non, t'es respectable. Moonrock, ok. Je sais pas qui aime la photo, ça me dit rien là comme ça. Ah bah si, c'est peut-être Jessie, mais Moonrock c'est sûrement pour Céleste. Ok, later. Le mec n'en sait rien en fait. Il est genre, peut-être pour Céleste, genre, peut-être. Donc là aujourd'hui c'est vraiment genre question-réponse, exploitation de données, tout ça. Et bah c'est un plaisir partagé, on a toutes les infos sur toi, oui, mais on n'a pas tous les cadeaux. Et il te faut la Moonrock. Il te faut la Moonrock. Salut. Ok. Et donc, est-ce qu'il faut le textbook et le laptop? Textbook et laptop. Notebook. Textbook et laptop. Non. Et on a toutes les infos concernant. Ouais, donc on va pas perdre trop de temps en discutant avec toi, ça sert à rien. Tiffany, je crois que j'ai tout. Aiko aussi, mais je vais vérifier. Et c'est une prof, donc elle a peut-être besoin d'un ordinateur. Ce sont des choses qui arrivent et qui arrivent, ma foi, fort souvent. Bonjour. Voilà, on est loin de tout lui avoir débloqué. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui faut? Alors, tout ce qui parle de réflexion, c'est pour elle. Sketchpad, c'est celui que j'ai. Merde, c'est pas ça que je voulais. Sketchpad, ça elle le veut. Non, j'ai textbook, c'est vrai. C'est vrai. Ah, on a reçu un cadeau, qu'est-ce donc? Une bague, consume all the power token in the grid. Oh, c'est stylé ça! Ah, ça peut être utile. Attendez, on va le laisser de côté. L'autre truc, je l'ai supprimé sans vraiment lire ce que c'était. C'était assez honteux comme méthode. Ok. Il y a beaucoup trop de trucs. Mais tout le reste, il n'y a pas. Et niveau info la concernant, j'ai tout, donc on va pas parler avec elle. Kiana!
gonna keep those dreams about me under control, all right? Elle sait que je rêve d'elle nue. Voilà, c'est gênant. Non, non, mais c'est gênant, hein. Il faut dire les choses, à un moment, c'est gênant. C'est trop bien ce jeu, en fait, sans jouer à Candy Crush en même temps, là. Enfin, c'est différent, et j'aime bien. Salut. Ah, je connais pas tes études, et il y a beaucoup de cadeaux à t'offrir. Beaucoup, beaucoup de cadeaux à t'offrir. Quoi? Attends, soit tous ces trucs étaient vraisemblablement pour elle, soit on peut lui donner strictement n'importe quoi. La piñata, c'était elle. Là, je suis paumé. Je vais pas garder d'infos. On va juste espérer qu'elle me pose une question. Et merde. Et merde, la taille de cette meuf. On va prendre celle au milieu. 5'7". Ah. Ok, c'est bon, je suis désolé. Ouais, c'était une blague. Laisse-moi réapprendre les réponses. 21, 5, 6. 16 mars, ok. Ouais, quiz. Bah, du coup, ça, je sais. Ah oui, c'est vrai que t'as un gosse, putain, 21. For a second, I wasn't sure you were gonna get it. Bah écoute, je viens de réviser, donc... Ok. What do you study in college? Actually, kinda dropped out of high school. Ouais, mais ça c'était sûr si t'as un gosse, hein. Je veux pas être chiant, hein, mais je l'ai senti venir. André, je t'aime pas, mais on va passer te voir. Ouais. Faut qu'on se laisse, j'ai des trucs importants à faire. Ah, mais c'est important qu'elle le sache, hein. C'est très important qu'elle le sache. Ok. Donc, on connaît pas ton poids, évidemment. On a tout le reste concernant. Donc, on va juste essayer de récupérer ton poids. Okay. Sans lire les autres infos. Ouais. Tous les jours. Bitch, I was born perfect. Voilà. Ferme ta gueule. Ferme bien ta grande gueule. Non. Adulte actrice, non. Ouais, t'es étudiante. Mais en fait, j'avais pas souvenir qu'elle travaillait, c'est pour ça que je me demandais pourquoi elle me demandait ça comme ça. L'endroit où elle préfère être tranquille, je crois que c'est au shopping mall. Mais c'est peut-être au Lusty's Nightclub. Ouais, si, nightclub en fait, hein. Mais en fait, je l'ai beaucoup, beaucoup croisé au magasin. Je l'ai beaucoup croisé au magasin, donc je suis troublé. Ok, on n'a pas eu notre dernière réponse. On va aller voir. Faut que j'arrive à me débarrasser de ce putain de PC portable. C'est peut-être Tiffany. Mais Tiffany, je crois qu'on a tout. Genre, la concernant. Qui ça peut être? Qu'est-ce qui suit des études, en fait? C'est vachement dur. C'est vachement dur. Peut-être que Q, elle a besoin d'un PC, en fait. Elle est mignon, le PC, donc peut-être que c'est pour elle. Ouais, je me pose des calls comme ça, je me dis, ah, oh, mais qui veut ce PC? Qui veut ce PC? Q? Ta gueule. Ah non, Q, elle a tous ses sextoys, là, et... Putain, on le connaît, celui-là. Oh, on le connaît de ouf. Oh là là, on l'a utilisé sur Adicam. Récemment, très très récemment. Qu'est-ce qu'il nous manque sur elle? Il nous manque... Home. Il nous manque... Taille. Et... Anniversaire. Alors, je commence à dessiner des dessins. Donc, taille, j'ai fait une flèche qui fait la hauteur. Et anniversaire, j'ai fait le plus moche gâteau du monde. Sachant que je dessine sur une feuille découpée, dans genre un truc chelou et tout, enfin, c'est galère. Bonjour! Ah, à quoi tu penses? L'endroit où tu préfères sortir, je ne l'ai pas. Allez, question suivante, hein, parce que c'était gênant. Question suivante. Where are you from? Ça, c'est sa maison, ça, c'est bien ça.
Oh, trop cool! Donc ok, donc elle vient d'un autre monde. Ah, elle me laisse poser une question. Donc ta taille ou ton anniversaire? Ouais, birthday. Le 3 août, très bien. Une date de naissance, ma foi, fort, fort naissante. Ah, ok, attends. Breed bracelet. On est d'accord, je lui ai tout acheté à elle. Ouais. Et, ok, Beat Bracelet, c'est quelque chose qu'elle a déjà, et donc il y a une étoile. Ok. On va lui racheter juste un peu de bouffe. Vite fait, vite fait, vite fait. Ouais, ouais, vas-y. The nice guy cheat wasn't going to cut it, so il fallait être agressif. Lui dire un truc vite avant qu'elle s'échappe. Et arriver avec un truc safe pour être dans, de son côté. Être agressif, non. L'empêcher de partir, non. Not quite, ok, très bien. Ah, voilà, you need something, speed it up. Sa taille. Je m'en bats les couilles. Ah, je m'en bats les couilles, je vais plus te parler. Je vais plus te parler, j'ai toutes les infos qu'il me faut. Je veux juste vérifier ma stratégie. On va aller voir Jessie qui a sûrement pas tous les objets d'acheter. Je veux vérifier si l'étoile est un objet qui lui fait plaisir mais qu'elle a déjà ou pas. C'est une façon de voir les choses intelligente, je pense, et intéressante. Ce qui serait une bonne évolution. Il n'y a aucun des deux types d'objets. Très bien, les amis, on va se dire à la prochaine pour un prochain épisode. C'était Hamster Bleacher. Oh yeah. Allez, tu veux un PC portable? Bye bye.